L'un des buts principaux sur Pet Simulator, c'est d'avoir un huge. Le seul problème, c'est que maintenant, si tu veux un bon huge, eh bien, ça coûte 125 millions. Ah oui, et le truc le plus drôle, c'est que tous tes tutos en français, eh bien, ça dure 25 minutes. 25 minutes! Non mais les gars, en ça, est-ce que vous pensez que ça prend 25 minutes pour faire un tuto qui montre des techniques de comment avoir un... Eh bien non les gars, non. Parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment avoir votre premier huge sur Pet Simulator en moins de 4 heures de farm. Bien sûr les gars, juste avant de commencer, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu et de vous abonner à la chaîne les gars. On est proche des 5000 abonnés les gars, je vous kiffe. La première technique, c'est la technique free to play. Elle consiste à acheter votre premier huge dans la Trading Plaza. Le huge le moins cher pour l'instant, c'est le huge Happy Rock, qui coûte exactement 9,2 millions de gemmes. Et je vais vous montrer tout de suite comment vous pouvez grind plein de gemmes. Donc, vous devez équiper une team full de Pastel Goat et de huge, bien sûr, si vous en avez. Et ensuite de ça, vous vous rendez à la zone 99. Maintenant que c'est fait, c'est l'heure de grind. Voyons voir combien de lingots on peut se faire en moins de 1 minute. Donc voilà, on s'est fait un lingot en moins de 1 minute, c'est incroyable. Et aussi, on a pu se faire quelques petits diamants. Bien sûr, j'ai oublié de vous spécifier un truc, c'est de mettre les meilleurs enchants que vous avez comme Strong Pet, Fortune ou bien Exotic Pet. Maintenant que c'est fait, rendez-vous au spawn et c'est l'heure de hatch. Donc vous allez hatch le meilleur egg du jeu pour l'instant qui est le egg numéro 112. Bien sûr, juste avant, mettez les meilleurs enchants de Lucky Eggs que vous avez, des enchants de Lucky Egg. Et finalement, si vous avez des Robux, achetez Lucky et Ultra Lucky. Et si vous voulez, même Huge Hunter, parce que oui les gars, vous pourrez peut-être débloquer un huge juste en hatchant. Et juste après, mettez le auto hatch. Maintenant que c'est fait, rendez-vous à la Fuse Machine et vous devez fuse toutes vos Pastel Griffin et vos Pastel Goat. Vous aurez des chances d'avoir un Rainbow Vibrant Cobra. Oh la dinguerie les gars, on a eu un Vibrant Whale. Oh là là là. Ok donc les gars, c'est un Vibrant Whale Golden. Si on le met en Rainbow, il va être hyper fort. Oh là 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 la dinguerie. Et voilà, après que c'est fait, je pense que vous savez qu'est-ce qu'il faut faire. C'est l'heure d'aller les vendre dans la Trading Plaza. Et voilà, juste après que c'est fait, je vous conseille de les vendre pour un prix de 10k. Bon, la prochaine technique, c'est une technique qui vaut vraiment le coup. Pour commencer, équipez toutes vos meilleures pets et ensuite allez dans le Exclusive Shop. Bon, bien sûr, vous allez devoir acheter VIP, sinon j'ai une autre technique pour vous. Je peux vous dire les gars, ça vaut vraiment le coup de l'acheter. Et juste après que c'est fait, vous allez devoir vous rendre au milieu, juste là, mettre un Diamond Flag et mettre vos meilleures potions et vos meilleurs enchants de diamants. Et pour ceux qui n'ont pas assez pour VIP, eh bien c'est très très simple. On va faire la même chose qu'on a fait, on va se rendre à la dernière aria. Ensuite, vous allez mettre vos meilleures potions de diamants, vos meilleurs enchants et finalement un petit flag. Donc je vous conseille d'en mettre un petit peu plus. Donc vous mettez par rapport au nombre de minutes que vous voulez farm. Et finalement, un truc que vous ne savez peut-être pas, mais les oranges peuvent vous donner un boost de diamants. Donc voilà, on va toutes les hit. Et vous pouvez commencer à farm. Bien sûr, un petit truc, je conseille d'inviter toutes vos potes à farm avec vous ou bien d'essayer de trouver un serveur avec beaucoup de gens dans la zone 99. Sinon, eh bien, vous n'allez pas avoir beaucoup de diamants. Sinon, on va dire que vous êtes vraiment malchanceux et que vous trouvez personne. Allez voir ma dernière vidéo, les gars, sur comment avoir plein de diamants sur Pet Simulator. Je pense que vous allez vraiment kiffer. Aussi, un petit bonus pour ceux qui ont encore des Robux. Parce que, ouais, là, je pense que c'est un peu abusé. Eh bien, je vous conseille d'acheter le Auto Farm qui est juste là. Et juste après, vous allez mettre un petit enchant de magnète ou bien, on va dire qu'on va en mettre deux. Parce que vous allez pouvoir AFK pendant toute la nuit sans que des orbes soient bloqués. Regardez, je vais faire un petit exemple. Eh bien, si vous voulez briser, que vous éloignez. Eh bien, vous allez quand même les récupérer, donc oui, c'est vraiment incroyable. Exemple, si on brise ça, là-bas. Mais regardez, c'est une dinguerie. Et voilà, ça vient jusqu'à nous, donc c'est vraiment incroyable. Et bien sûr, pour ceux que le farm de diamants ne fonctionne pas, eh bien, vous pouvez aussi équiper des enchants de Treasure Hunter, mettre des potions de Treasure Hunter, donc on va mettre exemple cela. Et finalement, vous, AFK, quand vous aurez vos diamants, je vous conseille de rejoindre un serveur Discord comme celui de Big Games ou bien mon serveur Discord, les gars, qui est d'ailleurs dans la description. Vous pouvez trouver des valeurs vraiment incroyables. Exemple, il y a des gens qui peuvent vendre des items ou bien des pets sur Pet Simulator qui coûtent vraiment pas cher et on appelle ça snipe des items. Donc vous trouvez des items qui sont pas chers et vous les revendez pour hyper cher. Et ça, c'est une technique que beaucoup de gens utilisent, mais que pas beaucoup de gens en parlent. Parce que c'est une technique qui est incroyable. Alors, on va essayer un petit truc, les gars. C'est les ballons. Qu'est-ce que ça donne? Donc, attendez, on va briser ça. Ça donne... Ah, merde. Ah, what? C'est quoi? Wesh! Ah ouais, bah c'est vraiment bien, les gars. C'est vraiment bien parce qu'avec les large gifts, eh bien, ça se vend... Eh, 12k! Chacun!
Attends, mais c'est cher. Ah bah c'est très très bien les gars. Bon bah on peut dire que c'est une petite technique hein. Bon, finalement pour ceux qui veulent vraiment faire les gros radins, vous pouvez aller voir le mec juste là, le dealer marchand, et lui vendre des petits trucs pour vraiment 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 pas cher hein. Donc voilà, on scelle ça et voilà, on se fait plein de moula. On se fait pas d'argent, voilà, j'ai 63k maintenant. Bon, finalement, la méthode que vous attendiez tous. Comment hatch des huge pets à 100%. Déjà, comme vous pouvez le voir, on va tout enlever. Donc voilà, on va mettre aucun enchant. Alors, le seul egg qui a des huge pets pour l'instant, c'est le dernier egg, donc le 112e egg. Il a beaucoup de huge. Et vous allez pas me croire les gars, mais c'est très très simple à avoir des huge. Donc j'ai vraiment pas le temps pour AFK farm. Mais sinon, si je peux vraiment vous conseiller un truc, c'est de auto farm pendant la nuit. Alors déjà, vous allez devoir max votre chance au maximum. Pour ça, si vous êtes une personne qui a beaucoup de Robux, vous allez vous diriger dans le permanent pass et acheter les passes suivants. Donc Lucky, Ultra Lucky et Huge Hunter. Vous allez les acheter, surtout le Huge Hunter les gars. Le Huge Hunter bien sûr, c'est écrit que ça donne des huge. Si on va juste là, on peut voir que j'ai exemple pour ce pet, j'ai 0,43% de l'avoir. Et un truc que pas beaucoup de gens sachent, et je sais vraiment pas pourquoi, c'est que si vous mettez un lucky egg, eh bien regardez, ça vient d'augmenter à 0,52. Donc si j'en mets un autre, ça augmente à 0,6. Si j'en mets un autre les gars, alors on va mettre lui, c'est à 0,675. Mais le truc c'est que je pense que si j'en mets un autre, ça fonctionne pas. Non, ça fonctionne, ah bah non. Ah bah non, ça fonctionne. Oh c'est incroyable, les enchantes comme ça, ça augmente vraiment beaucoup beaucoup vos chances. Aussi les gars, un enchant qui est vraiment compliqué à avoir, parce qu'il faut ouvrir plus de 750 000 eggs, c'est le Huge Hunter. Voilà, il coûte vraiment très très cher. Ça augmente votre chance de Huge de 25%. Ça paraît pas beaucoup, mais sachez que c'est incroyable. 25%, c'est une dinguerie. Finalement les gars, sachez qu'il n'y a pas d'items qui vont vous donner du luck, malheureusement. Il n'y a toujours pas d'items qui vont vous donner du luck, mais il y a des potions. Il y a des potions, donc les meilleures potions que j'ai, c'est bien sûr ceux-là, les Lucky Egg Potion. Et voilà, ça vient d'augmenter d'un petit peu. Donc, voilà quoi. Bon, les prochaines techniques seront avec les jeux sur Pet Simulator. Sachez qu'il y a des jeux qui peuvent vous donner des huge, mais pas tous. Par exemple, Jungle Lobby, et eh bien malheureusement, il peut pas vous donner de huge. Voilà, c'est pas vraiment ouf, mais il peut vous donner des trucs de fou quand même. Mais pour le fishing, c'est totalement différent. Comme vous pouvez le voir, vous avez une certaine chance d'avoir le huge Poseidon Corgi. Et je vais vous montrer comment vous pouvez booster vos chances pour avoir ce magnifique huge qui est vraiment rare. Pour commencer, vous allez pas vouloir mettre des enchants de Lucky Egg. Beaucoup de gens font cette erreur alors que c'est littéralement écrit Lucky Egg. Donc vous allez mettre Treasure Hunter. Aussi, une autre erreur que les gens font, c'est de mettre des potions. Ne mettez surtout pas de potions parce que les potions sont désactivées dans la fishing area. Donc ne mettez surtout pas de potions, que ça soit de Treasure Hunter ou de je sais pas quoi. Même chose pour les fruits, ça ne fonctionne pas. Et sachez que c'est la même chose pour le fossile Dixite. Vous avez une chance d'avoir le huge fossile dragon. Bien sûr, les mêmes choses s'appliquent. Pas de potions, pas de fruits et des enchants de Treasure Hunter. Donc finalement, la dernière technique de comment avoir plein de diamants, c'est de vous abonner à la chaîne les gars, parce que il y a un gros giveaway qui arrive aux 5000 abonnés. D'ailleurs les gars, je vous remercie beaucoup, on est presque en 5000. C'est une dinguerie les gars comment la communauté s'agrandit très très rapidement grâce à vous. Donc mettez votre pseudo dans les commentaires, rejoignez le serveur Discord car le giveaway va se dérouler là-bas. Abonnez-vous à la chaîne les gars pour qu'on atteigne les 5000 abonnés le plus rapidement possible. Voilà les gars, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. C'est Horizon, ciao.